Forcément, tous les bons conseils sont bons à écouter. Ouais, exactement, comme je viens de vous le dire, tout le monde m'a très bien accueilli, tout se passe bien avec tout le monde, donc je suis content et je suis impatient de commencer mon premier entraînement. Je viens ici en pleine forme, sans blessure, je suis à la disposition du coach et c'est le coach qui fera ses choix. S'il faut que je commence titulaire, je me donnerai à 100% et s'il faut que je rentre même 5 minutes, je me battrai 5 minutes pour l'équipe, l'équipe passera avant tout. Non, non, pas du tout, chaque cas est différent. Eux, c'est leur cas avec l'équipe de France. Moi, je n'ai pas pensé à ça du tout. J'ai fait un choix de cœur. J'ai vu tout ça avec ma famille et tout le monde est content et fier. Donc, ça a rien changé par rapport à ma décision. Je pense qu'on est remarqué par rapport aux performances. Et c'est sûr que le fait de marquer des buts, ça fait que les performances sont bonnes sur le terrain. Maintenant, moi, je pense que c'est plus de ce côté-là que j'ai été remarqué. Par rapport à mon poste, j'ai l'habitude de jouer derrière l'attaquant. De temps en temps, je peux jouer sur le côté gauche et sur le côté droit aussi. Par rapport à la concurrence, c'est important d'avoir de la concurrence dans un groupe. Et c'est vrai qu'en équipe nationale, il y a vraiment de très très bons joueurs. Et je pense que ça peut être que bénéfique à la sélection algérienne. Bon, moi, quand j'étais à l'Éthiopie, شي مقابله سهله كما تقول مقابله سهله سي مقابله صعيبه يقولوا له مقابله صعيبه مش مقابله سهله تبعنا دي ماتش تاع الفريق الاثيوبي عندهم سان بون ايكيب عندهم دي جوار اللي يقدروا يديروا ديفيرونس في اي لحظه حنا بون حنا ان شاء الله شكون حنا واجدين المقابله هذه سواء لي ولا روتور يهمنا حنا الماتش الاول ساعه يكون في بلادنا ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله احنا الشيء اللي يهمنا والعقليه تاعنا كلاعبين حاليا اخذنا ثقه المنتخب الوطني رجع يعني ياخذ ثقه تاعه ويفوز حتى خارج الميدان نظن انه احنا امام حتميه بفوز بكامل المقابلات في التصفيات وما يخفاش عليك عندنا لاعبين ممتازين اللي قادرين يصنعوا الفارق حتى خارج الديار اما داخل الديار لازم علينا نفوزوا بالنتيجه والاداء